Il y avait eu beaucoup de vent la nuit, il en restait un petit peu en matinée et une chute de neige assez conséquente sur la partie haute de la station et des couloirs. Hein. Donc l'avalanche a eu lieu sur une zone à 1600 mètres d'altitude environ et donc c'était un petit peu chargé par les dernières chutes de neige. Cette zone est reconnue dangereuse de toute façon. C'est une zone où il y a eu de nombreuses avalanches et c'est un couloir avec une arrivée en forme d'entonnoir, donc ça laisse peu de chance si on est pris dans une avalanche. Aujourd'hui, je vois une atmosphère de tristesse dans la station. C'était un secteur qui demande beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, ce qu'avait le guide accompagnateur David Vigouroux, qui était très professionnel et qui était toujours rigoureux dans son travail. Et là, on se rend compte que la montagne est beaucoup plus forte, même la moyenne montagne est beaucoup plus forte que l'homme.